Bon, vous arrivez au moment où il y a une plan. D'intégration et d'autres éléments. Moi, c'est Mélanie. Moi, je suis politicienne. Oui. Bonjour. Vous connaissez elle ? Je vous les apprends. Toi, est-ce que t'aimerais être un politicien un jour ? Non. Mais je me sens joueur de foot. Mais oui. Je suis joueur de foot sur Real, c'est ça. Quelle équipe ? Ok. Quelle équipe tu joues ? Real ? Oui. Cristiano Ronaldo ici. Michel, salut Léonard. Justin, Papineau, ah ben Justin, Trudeau. Yes. Ben, c'est fondamental. Faut pas se le cacher là. Il y a encore des discriminations, il y a encore une attitude parfois négative à l'égard de la communauté et les jeunes. Des citoyens canadiens, québécois, citoyens canadiens à 100% travaillent ensemble au niveau économique et dans l'ensemble de ce que l'on fait. En plus, n'oubliez pas que nous avons fait nos preuves. Et ça, c'est un élément qui est porteur. Il faut aussi avoir à l'esprit que nous, ici, on est presque tous issus de l'expérience de l'immigration. Et ce n'est pas juste issu. Effectivement, vous êtes jolie. Hein? Oh, mais merci. Parce qu'on voit les photos, mais. Oui, mais là, tu sais, non, c'est ça. C'est que, ben, nous, qu'est-ce qu'on voudrait, c'est que vous apportiez du bien pour cette communauté. Oui, et tout à fait. Qu'ils arrêtent de nous. Parce qu'on veut repartir chez nous, les citoyens canadiens. Oui. Mais on aimerait ça qu'ici, à force d'être stigmatisé, du matin au soir, alors qu'on ne fait rien, on travaille, on paye nos taxes, comme tout autre citoyen, on voudrait qu'ils arrêtent de nous stigmatiser, de nous mettre comme des. Mais justement, nous, là, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte justement de se débarrasser du gouvernement Harper parce qu'on sait très bien qu'il est en train d'instrumentaliser la peur d'autrui et qu'il stigmatise en particulier votre communauté. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que politicienne, c'est notre première mission de s'assurer de la cohésion sociale, s'assurer que tout le monde soit sur un pied d'égalité, que chacun ait une égalité des chances. Et puis on a déménagé d'ici il y a quelques années. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'en avais marre de tout ce qui s'est passé par rapport aux médias. Oui. Après 8 ans, je vois que ça n'a rien changé. Mm. Donc, je viens juste d'arriver mardi passé. Le premier journal que j'ai ouvert, il y avait une écart. Oui. Chef Justin Trudeau a dit qu'il va faire trois modestes déficits, mais pour cela, il va investir jusqu'à 60 milliards de plus au niveau des infrastructures. On parle d'infrastructures vertes, infrastructures sociales. Est-ce que vous pensez que les libéraux passent par leur programme, par leur équipe, sont prêts à prendre le pouvoir le 19 octobre? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici. Très heureux d'être avec vous. Je suis en compagnie de plusieurs collègues, plusieurs candidats. Vous les reconnaissez sûrement. M. Emmanuel Dubourg, qui est député actuel et candidat dans le comté de Bourassa. M. Nicolas Diorio dans le comté de Saint-Léonard-Saint-Michel. Mme Mélanie Joly dans le district Cartierville. Mme Nadine Médawar dans Rosemont, la petite patrie. Et Angelo Iacono dans Alfred Pellan à Laval. Premières années et la quatrième année du mandat arrivait à un équilibre budgétaire. Pour nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a déjà, le gouvernement investit déjà 65 milliards par année en infrastructure. Mais nous, on veut faire en sorte d'investir 60 milliards de plus. Et ça, c'est pour ça qu'on dit que notre plan de match en matière d'infrastructure est historique. Parce qu'en investissant 60 milliards de plus, on arrive à 125 milliards. Le 60 milliards de plus, on le divise en trois volets.
Le premier en infrastructures vertes, donc s'assurer de diminuer notre dépendance au pétrole et investir dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est de la politique du 21e siècle. S'assurer d'investir dans les infrastructures aussi de transport en commun, parce qu'on sait, le transport en commun a besoin d'investissement et nos villes, nos provinces ont besoin d'argent pour y investir. Et aussi, le troisième, en infrastructure sociale, s'assurer d'avoir davantage de logements abordables. Il y a tellement une longue liste d'attente pour les logements abordables. D'ailleurs, dans un de ces quartiers-villes, moi, je veux m'assurer qu'il y ait 1000 nouveaux logements abordables. Donc, tout ça pour dire qu'en faisant en sorte d'investir en infrastructure, on va pouvoir créer de la croissance économique, créer de l'emploi.